Thank you.
J'avais un doute si je l'envoyais au bon endroit ou pas en fait. Hop! Dans le trou! Et c'est le GG! À nous la sphère! La suffaire! C'est fallu! En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Merci. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Je t'en prie. Tout le plaisir est pour moi. Emblème du triomphe. Ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Je t'en prie, fais donc. Vis ta vie, enfin, vis ta mort, enfin, on s'est compris. Ok, ici ça a l'air d'être bon. Ah, je suis presque à 2 heures. Bon, vous aurez moins, mais... Quand même. Ok, on en était déjà là. Donc, oui, donc je disais, cette montagne, c'est peut-être une montagne de Nox, du coup. Vu que ça y ressemblait un peu. On veut aller par où, du coup? Il y a un ranch pas loin. On va aller au ranch. C'est au nord. Ah bah oui, il est juste là. Mais oui, c'est le ranch qu'on a découvert à la fin de la session précédente. Et il y avait apparemment un camp de vilains par là-bas. Est-ce qu'il y a un coffre? On ne le voit pas d'ici, donc je ne sais pas. Mais en général, c'est pas là-dessus qu'il y a les coffres. J'ai envie de parler au monsieur. Monsieur, attendez-moi. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Bonjour. Ah, c'est celui qui donne des tuyaux. La baleine des monstres géants en pierre est bourrée à ras-bord de minerais précieux. Oui, j'en ai déjà tué. Non, je te crois, je te crois. Pas de soucis pour ça. J'aimerais pas gâcher une arme sur un monstre à la con. Surtout que les monstres ont l'air d'être élémentarisés. C'est-à-dire, il doit y avoir un cercle des éléments, genre le feu contre l'eau, la glace contre... Enfin, l'eau contre le feu, la glace contre le... contre l'eau. Ou la foudre, plutôt. Voire les deux. Je me souviens plus, il y avait des trucs ici. Des silex. Et des champignons. Ça aussi, ça doit repop. Avec la lune de sang. Toi, t'étais mon ami. Alors, je vous rappelle, la dernière fois, que le mec m'avait donné un tuyau comme quoi, si on était amis avec les chiens, il nous amènerait à des trésors. Donc, je t'en prie, amène-moi un trésor. Si t'as le droit de sortir, sinon... Moi, j'ai juste l'impression qu'ils nous suivent. De quoi, qu'est-ce que tu dis? Le mont Juglandis, il y a un relais. Il y a des ruines où il fait nuit, même en plein jour. Ça serait pas par ici, le mont Juglandis, du coup? Ah, c'est peut-être le mont qui brille par ici, à moins que ce soit celui-là. Toi! Oui, vous devez vraiment m'adorer pour faire tout ce chemin. Cherchez-vous un article en particulier? Ça dépend ce que t'as à vendre.
Libellule piment, on pourrait en racheter. Luciole sérénité, on en a masse. Et les grenouilles, on n'en a pas. Je t'en prends 4, même si on en chope facilement. J'aimerais te vendre des choses. Alors, combien m'achètes-tu une fée? 2 rubis, d'accord. Ça, 30. Le Nox, 70 quand même, hein, donc pas mal. 180 pour la topaze. Alors, c'est l'électricité la topaze, d'accord. J'ai même pas remarqué quand est-ce que j'avais chopé ça. Rubis 210 et saphir 260, donc c'est le plus rare techniquement. Et les potions que j'ai faites, tu les reprends 60, donc je vais te vendre ça. Je vais lui en vendre quelques-unes. Parce que ça coûte rien à faire. Ensuite, je pense que j'ai assez d'ambre, donc on va lui en vendre une petite dizaine. Voilà. Et maintenant, on voudra un cheval. Je veux emmener un cheval. Je veux... On va assez loin. Je suis de bonne humeur, du coup on prend Unicorn. De quoi? Je sais pas, j'ai pas lu. Alors, objectif sur la carte, c'est le point violet. Alors, c'est juste à côté du château, donc on va faire attention. On va bien voir, là, je la touche pas. Je ne touche absolument pas le stick. Et c'est ça, elle suit le chemin. Merde. Ça va, madame? Dis donc, t'es fichtrement costaud, et ça se voit à ton allure. Désolé de ne pas pouvoir donner plus que ça, mais c'est pour toi. Extrait de monstre. Ah, encore. On dirait que tu m'as encore sorti d'un mauvais pas. Je suis toujours à la recherche de Kilton, le gérant de l'antre des monstres, mais sans plus de succès que la dernière fois. D'après mes informations, il se trouvait près d'un étang en forme de crâne dans la région d'Akala. Mais pour trouver cet étang, c'est une autre paire de manches. La région d'Akala. Ebra, Centre d'Hyrule. On la connaît pas, Akala, d'accord. Pas la peine de la chercher. Est-ce qu'il y a des trucs dans... là-dedans? Il y a des pierres. Je pense pas qu'il y ait un Koru là-dessous. Mais donc, c'est bien vrai. Si on le fait courir sur un chemin, bah, il suit le chemin tout seul. Est-ce que ça m'est utile là? Je ne sais pas. Je pense que ça doit passer près de la tour, ou du moins pas loin loin. Ah, qu'est-ce qui te plaît pas? Oh non, c'est la montagne, ça c'est pas le sanctuaire. On va par là. Oups. Électrique, électrique, équipé. Alors ça marche aussi pour les arcs, hein. Vous pouvez voir que certains arcs sont plus électriques que d'autres. Et pareil pour les boucliers. Là, je suis équipé d'un arc qui ne craint rien. Donc là c'est bon, on craint plus rien. Enfin après si on n'a pas de chance, la foudre nous tombe quand même dessus. Hein. J'avais pas enlevé la quête d'ailleurs sur de la map moi.
Merci. Et du coup, on a dit qu'on voulait la violette. Donc tout droit, en fait. Oula! Calme-toi, la foudre. D'endurance, c'est quand même pas mal pour un cheval. Hein. On a trouvé quand même un bon cheval hein. Pour un premier. Ah, c'est notre tour qu'on voit en face là. Je crois que c'est notre tour. Et je crois aussi que ça c'est une rivière. Donc je crois que je vais faire demi-tour. Pour remonter. Ah, c'est comme Skyrim. Hein. Et que on va faire un petit peu le tour. Hop. Je veux une viande sublime pour la quête, moi. Ils font chier avec leur viande fine. Ah, ça sent le corrugu. Mais genre à des kilomètres, c'est quoi ça? Champilam. Augmente la compatibilité en attaque, d'accord. Corrugu. Corrugu. Non, une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Oui, j'aime bien leur faire tomber les pierres. Oula. Pas ça. C'est moi ou il y a un des deux monstres qui s'est fait tuer par les éclairs du coup. Bon, va falloir se rapprocher du château, j'ai l'impression. On va pas avoir le choix. C'est parti. Moi, je dis à n'importe quel moment, il y a un laser qui nous cible et on doit partir le plus loin possible. Parce que là, on est quand même vraiment pas très loin du château. Donc, potentiellement de Ganon. Arrête. Je pense que l'orage aussi, ça aide pas notre cheval à être serein. Toujours pas de sublime. On en avait chopé à l'époque, mais on est mort après, donc on l'a pas sauvegardé. Je pense que je vais devoir te laisser là, Unicorn. Tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Si? Ah si, ça a l'air de passer. C'est un bon Unicorn. C'est bien. Alors ça, pareil, hein, ça sent le gros laser qui a été tiré. Même si dans l'histoire il nous en parle pas, moi je suis sûr qu'il y a une sorte de tourelle géante à un moment. Mais au bout d'un moment ils se barrent et quand ils sont assez loin ils disparaissent. Alors, quelle est la spécificité de cette tour, à part qu'elle a l'air d'avoir un truc dessus? Il y aurait un camp ennemi dessus? Possible. Soit c'est un camp ennemi, soit c'est juste un village. Mais vu qu'il y a un crâne... Ça sent le challenge. Et moi, le challenge, ça m'excite.
J'aurais préféré passer par derrière en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, unicorn. On se voit plus tard, hein. Je crois que je suis en train de faire une énorme connerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, je suis à la limite de la map? C'est la forêt des Corgus! J'ai pas le droit d'y aller! Et mon cheval s'est barré! Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on rush à d'autres chevaux. Est-ce que je peux passer par là? Ça m'a l'air d'être bon. On va faire le tour à d'autres chevaux, c'est pas grave. J'aime pas trop cette musique. C'est bon, calme-toi. Tu glisses, comme tout à l'heure. Et en plus, c'est de l'eau empoisonnée. Ah ouais, paye ta journée, quoi. C'est bon. T'es pas très brave, hein, pour un cheval. Pour le cheval de Zelda, j'ai connu mieux. Je m'attendais à mieux. Et le but, ça serait de monter assez haut. Attends, mais il n'y a pas moyen de rusher la tour d'ici? Parce que là, je vois pas d'ennemis vraiment menaçants. Je pense que je vais monter en haut de cette colline et on verra si c'est suffisant pour atteindre une hauteur satisfaisante. Ah, une envolée. Je pense que je peux atteindre cette plateforme. C'est quoi? Il y a un truc qui fait de la foudre, mais je vois pas c'est quoi. Ah, c'est le monstre dans l'eau qui fait de la foudre, qui électrifie les trucs autour, d'accord. Mais c'est un truc de plateforme en fait, il n'y a pas d'ennemi. C'est ce que je me suis en train de me rendre compte. Regardez, il n'y a pas d'ennemi. Ou très peu du moins. Vous voyez, une fois qu'on est en bas, on monte là-haut. Et il n'y a pas d'ennemis. Sauf celui-là. Bon, par contre. Lui, je l'ai vu quand même, donc je le prends, quoi. En plus, c'est un rubis. Parce que si je vais. Bah, si, il y a quelques ennemis quand même.
Mais je pense qu'avec ce que j'ai chopé comme arme, puis avec cette caisse surtout, il y a moyen de gérer. Quoique c'est une caisse électrique. Est-ce que ça me mettrait pas dans la merde si le mec fait... Enfin, c'est une caisse en métal, si le mec fait des trucs électriques. Alors lui, déjà, ça serait bien de le péter. Mais... Il me regarde lui ou il me regarde pas? Il me regarde pas. Le mieux, ça serait de monter directement en haut, en fait, et de se... De ne pas te soucier des autres. Est-ce que j'ai moyen de monter en haut encore? Ouais, je pense. On peut monter là-dessus. Ici, peut-être pas. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah si, ça passe. Autant pour moi. Donc là, j'atteins ça. Tout simplement parce que je m'accroche directement là. Et que je meurs dans le poison. Ah, mais le poison qui ne tue pas. Donc très bonne nouvelle. Et lui, il y a peut-être même moyen de le buter, du coup. Nickel, on va pouvoir récupérer son arme en plus. Bat à pointe mobline. Pourquoi il y a ça? Ah, des glands grillés. Et des pommes grillées. Et une flèche. C'était ma flèche, ça. Et des flèches explos. Et ça, c'est une tour qui, si j'étais allé de face, bah, m'aurait visé, tout simplement. Donc, à la base, ce que je voulais faire, c'était ça. Donc, si on peut pas monter directement, on passe par là. Par contre, c'est un bleu, il me one-shot, hein, normalement. Donc il va me falloir une bonne arme. On va donc tester cette épée. Ça a l'air efficace. Ça a l'air vachement efficace. Donc la tour Sylvestre. Pas bien dur à atteindre au final. Hop, hop, hop. On trie tout ça. C'est une arme à deux mains, ça. Ouais, on est d'accord. Hein. Et c'est parti. J'ai l'impression que le premier saut... Ah oui, mais c'est à cause de la demi-jauge. J'allais dire, il consomme que dalle, mais en fait, non. C'est juste que la demi-jauge est tellement pas visible, en fait, qu'on a l'impression que le premier saut... Il consomme rien, alors que les autres, après, consomment une blinde. Mais ce n'est pas du tout le cas. Elle était simple à atteindre en fait cette tour. Peut-être une des plus simples qu'on a fait au début. Enfin qu'on ait fait depuis le début. Peut-être aussi parce qu'on avait le cheval, mais le chemin avait pas l'air bien compliqué non plus de base quoi. On l'aurait fait à pied, il y avait quasiment pas d'ennemis sur le chemin. Bon après il y avait un gardien apparemment qui était endormi et si on était passé à côté, bah on l'aurait eu dans le cul. Mais on l'a pas fait du coup. Il y a des pierres. Oh. Pourquoi ça me donne des silex? Enfin bref.
Tablette Sheikah reconnue, activation. Et du coup, le crâne, il reste? Il reste. Ok. Acquisition des données locales. Ben voilà. La carte de la zone a été enregistrée. Et donc c'est la forêt Korogu qui est à côté, d'accord. On va peut-être aller y faire un tour. Hein. Parce qu'elle m'intrigue quand même cette forêt. Il est où mon choix là? C'est lui là-bas qu'on voit. Blanc comme il est, on risque pas de le confondre avec autre chose. C'est ça. Bon, du coup, cette zone, c'est en gros une grosse montagne. Ah non, c'est ça la forêt Korogu. Non, c'est bien ça. Le lac Saria. Et oui, les Korogus, c'est censé être les descendants des Korogus. Des Kokiri. Le marais Mido, d'accord. Ouais, donc c'est ça, c'est la suite. Grande forêt d'Irune, donc. Si je prends la map ici, c'était du coup dans Ocarina of Time. La forêt Kokiri. Ici, c'était le château. Donc ça veut dire qu'on tourne légèrement la carte. Le château, quand on sortait de la forêt, il était sur la droite. Ouais. Donc ça n'existait pas. Là, c'est le lac Ilia. Est-ce que ça correspond? Pas sûr. Pour le coup, là, pas sûr. Par contre, on a un vent contraire. On va quand même essayer de voir si on a le droit d'y aller ou si ça nous repousse. Mais si on peut pas y aller maintenant, on sait quand même où elle se trouve et comment y accéder assez simplement. Il nous donne quand même vachement de trucs pour augmenter notre attaque ici, c'est bizarre. Après, on n'est pas loin du château, donc c'est peut-être normal. Alors. Oui, on est considéré comme étant sur un chemin, là, donc... normalement, il va m'emmener droit là où je veux. Si je touche à rien. Les bois perdus, c'est pour ça que je pouvais pas. Si c'est les bois perdus, si je connais pas le chemin, en fait, je me fais renvoyer à l'entrée. Ou alors, c'est qu'il faut suivre la lumière. Une venaison. Sûrement par ici. S'il y a des monstres, par contre, on va se faire one shot. Hein, mais... Ah, et à partir de là. À partir de là, je vois du feu par là-bas. L'arbre Mojo. Un coffre. Lance des sylvains, fabriquée par les Korogu pour les humains. La lampe de cette lance est légère mais solide, tandis que sa pointe est taillée dans un bois particulièrement robuste. Mais je n'ai plus de place. Et surtout, elle n'a pas l'air de faire bien mal. Après, c'est une lance en bois qui fait assez mal. Donc je serais tenté de jeter ça. C'est quasiment les mêmes dégâts et je préfère les lances aux grosses armes à deux mains, donc pourquoi pas. Alors, ensuite.
Ensuite. Ensuite, j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour y aller, hein. Est-ce qu'il y a du feu quelque part là-dedans? Pas l'impression. Ah. Peut-être qu'il faut suivre le vent. Et dans ce cas-là, ça serait par là. Des animaux. Est-ce qu'une fois rentré dedans, je peux aller n'importe où en fait? Il y a l'air d'avoir une plaine au milieu, par là. Encore un arbre creux. Ils sont peut-être tous creux en fait. C'est peut-être des truands en fait. Je vais voir un arbre bouger tout à l'heure, je vais rien comprendre quoi. Ah mais ils sourient tous. Oh. Oh. Ah. J'ai pas le droit. Et si les kokiris s'étaient transformés en arbres? D'où l'apparition des korugus après. Ok, donc on va refaire à peu près la même chose, ça avait l'air de nous réussir. Faut peut-être juste suivre les animaux comme je l'ai fait en fait. Ok, donc si je vais un peu trop haut, ça nous dit non. Parce que c'est tous des arbres. Enfin, c'est tous des visages en fait. Et ils nous sourient. Mais ben, j'ai compris qu'il y avait un sanctuaire dedans, je suis pas con. Ah par contre ça nous prévient pas quoi. Ah peut-être avec la musique comme avant. Vous voyez là, il n'y a pas de musique. Si je vais par là. Peut-être à la richesse de la musique. J'ai fait que ça, hein, pour vous dire. Donc je pense qu'à part sans un plan... Aucune idée de comment ça marche. À moins que... Attendez, je vais regarder un truc. Là, je suis passé. Ce chemin-là, il n'y a pas les gros arbres. Ok. Ou du moins, il y en a très peu. La plupart ne regardent pas vers nous. Donc, il faut peut-être éviter le regard des arbres. Mais ici, il nous voit. Donc là, il me voit pas, là il me voit pas, là il me voit pas.
Ah. Pour le moment, il me voit pas. Mais ça passe pas. Bon, on va dire que c'est pas ça. Parce que on n'a pas que ça à faire non plus. Mais c'est un endroit intéressant. Très intéressant même. On va se TP là. Par contre, je pense qu'il va falloir passer par-dessus le mont du péril. Pour atteindre la prochaine tour. Certains monstres passent la nuit à dormir. C'est l'occasion rêvée pour s'approcher furtivement et leur tomber dessus sans crier gare. En effet. Je te visite des ingrédients pour concocter de savoureuses recettes. Vérifie bien que le feu est allumé. En effet. 500 rubis, on ira vérifier la théorie des fées au bout d'un moment. C'est sûrement la grande fée, hein. Du coup, plus de cheval parce qu'on l'a laissé à l'entrée. Prochaine tour, tour bleu, tout droit. Ah. Geronimo! Hey, les deux sont alignés, c'est derrière cette montagne. C'est reparti pour un petit peu d'escalade du coup. C'est quoi ces plantes? C'est juste de l'herbe. De faire chaud par ici par contre. C'est des oiseaux, d'accord. Ça par contre, pas sûr qu'on connaisse. Si, on connaît. Regardez le thermomètre, là par contre, il va dangereusement. Vers la chaleur. Donc on aura peut-être besoin de la potion de froid que j'avais fait. En même temps, si je l'avais faite, c'est que je pensais l'utiliser. Ça rapproche doucement. Je pense qu'une fois monté là-haut, on en aura besoin. On a le droit de mourir en plus. La sauvegarde vient d'être faite. Ça sent le monstre, ça, quand même. La tour serait par là-bas? Non, par là. Comme prévu, c'est bien des monstres. On ne panique pas. Ils sont très lents. Ils nous ont déjà perdu de vue. Si c'est de l'ambre, par contre, on va s'en fiche un peu. Ça, c'est du nox. Non, c'est de l'ambre. Ok, on peut pas vraiment le savoir avant de les avoir pétés, en fait. Ça prend dangereusement de la chaleur. T'es un archer ou pas? Pas du tout. Mais t'es pas très bien caché, hein. Ça serait con de cacher un archer. Ok, donc c'est des mecs avec des lances. Celui-là, je sais pas ce qu'il avait.
Et celui-là, il s'est caché aussi. Ok. Est-ce qu'on voit la tour? Oui. Ah. Par contre. D'accord, couler de lave en fait. Ok. Je me disais, c'est bon, on s'éloigne du chaud. Mais en fait, pas du tout. Ah, donc ici, par contre, il nous faut des armes en métal. Est-ce que mes armes vont cramer ou... Ça suffit, ça? Absolument pas. On est littéralement en train de cramer, en fait, si on va par là. On est à la limite du supportable. Putain, il y a un sanctuaire au milieu, en plus. Pour vous dire à quel point c'est la merde. Ah, c'est bon. Ici, je résiste. C'est chaud. Ah, non. Je résiste pas du tout. Là, pour le coup, j'ai pas l'impression de pouvoir faire grand chose contre. Hein. Ça va peut-être être la première tour qu'on pourra pas choper. Hein. Ça, c'est assez rare. Tempo, tempo, c'est pourquoi le tempo déjà? Je pense qu'il faut juste éviter les zones de chaleur. Oh mais c'est magnifique ça. Faut que je fasse très attention à mon endurance. Si on arrive dans une zone où il fait trop chaud et que j'ai plus d'endurance, je suis dans la merde. Mais genre la merde noire, quoi. Après, la merde noire, quoi. C'est bon, si la tour est par là, je vais bien faire le tour au bout d'un moment. Moins que ce soit au soleil que je crame. Ah oui, il y avait les mêmes orbes dans la zone de glace. Ah, ça serait des slimes, d'accord. Slime de lave, du coup. Et là, il n'y a plus qu'à escalader, du coup. Si j'ai assez de stamina. Je veux pas forcément aller tout en haut. Il me faut juste une plateforme, quoi. Volcan est proche quand même. Hein. J'ai peur que ma potion déjà d'une arrive à sa fin avant que moi j'arrive en haut. Est-ce qu'il y a moyen de se reposer là-dessus? Je ne pense pas. Est-ce que ma stamina va suffire? Je pense. Je pense que si j'atteins ça, on est bon. Le cul que j'ai eu!
serait mieux par là, je pense. On va y aller à l'ancienne, ça ira tout aussi vite. Parce que moi, je veux faire les choses rapidement et au final, ça marche pas forcément. Là, je pense que ça sera assez plat quand même. C'est même pas du 50 degrés. Si je tiens pas là-dessus. Quand même, faut pas déconner, quoi. Ok. Donc ça sera notre destination suivante. Pas mal d'escalade aussi. Hein. Ou alors on cherchera le pont, mais je pense que c'est plus rapide d'y aller nous-mêmes. Je pense qu'on a le droit quand même de monter en haut de cette tour, enfin de ce pic, sans se prendre une avalanche de température. C'est quoi ça? Un truc goron sûrement. Il va y avoir un sanctuaire pas loin. Il y a des ennemis noirs, donc on sait qu'on est dans une zone assez haut niveau. Si je survis ici, je survis en haut. On est quand même, je pense, en résistance au feu 1 obligatoire. Est-ce que je passe à pied là? Ouais, on est en résistance au feu 1. Ouais, on va pas dasher parce que c'est juste quand même pour monter tout en haut. Bon, on aurait peut-être pu dasher une fois. Ça va, là, j'enchaîne. On va peut-être pouvoir finir la cartographie cette session. C'est un monstre ou... C'est de la lave. C'est de la lave, d'accord. J'ai failli tomber, hein. Ce serait bien de faire un sanctuaire en plus aussi, histoire d'avoir une jauge d'endurance légèrement plus grande. Et voilà! Donc pareil, se souvenir qu'ici il faut une résistance au froid, enfin au chaud. Tablette Sheikah reconnue, activation. Acquisition des données locales. Et voilà. Ah, c'est stylé l'apparence. La carte de la zone a été enregistrée.
Est-ce que la carte serait pas inversée par rapport à celle de Ocarina of Time? Parce que le Goron c'était au-dessus. Et le château du coup aurait. Non, je sais pas. C'est pas très logique, je pense. Ruine des Obscurs, d'accord. Ordine, Ebra. On n'a toujours pas la région qui l'intéressait, l'autre. Hein. Pour son chercheur à la con. Ah non, c'est le d'accord, c'est le symbole ignien que je voyais. Donc des petits lacs, giroflées, Privert, Torgol, Beigne, Offroyd, Vallée Belée. Il va y avoir des Belées là-bas. Et notre prochaine destination, ça serait là-bas.